Petit Barry, je suis directeur des opérations au sein de l'entreprise Camille Fournet. Il y a 3 ans, on a donc eu cette opportunité d'avoir une deuxième manufacture, beaucoup plus dédiée à la maroquinerie et plus particulièrement au développement de notre marque, avec des offres vraiment sur mesure pour nos clients qui ne veulent pas forcément acheter un standard, mais qui veulent aussi qu'on puisse satisfaire des demandes particulières. J'ai commencé ma carrière sur un métier qui était quand même en déclin. Aujourd'hui, une situation, on est à l'opposé, où on recherche de la main-d'œuvre. Je ne serais pas vu il y a 38 ans dans cette situation aujourd'hui, avec des responsabilités, animer des équipes qui sont passionnées, qui partagent certaines valeurs. Je pense notamment à l'artisanat, le Made in France, qui est très important pour notre marque. Aujourd'hui, on constate quand même une appétence pour ces métiers. Le travail manuel redevient un petit peu plus désiré. Après la crise Covid, on voit bien la relocalisation de beaucoup d'industries et on voit dans nos métiers aujourd'hui des ateliers aux quatre coins de la France qui fleurissent, qui recherchent, qui a un vrai travail de formation, de transmission, d'accompagnement. Pour faire un sac aujourd'hui, c'est potentiellement une petite centaine d'opérations différentes. C'est toutes ces étapes que une personne qui va nous rejoindre avec aucune connaissance va découvrir tout le long de son parcours. Un salarié qui nous rejoint aujourd'hui sur un poste derrière un établi pour des opérations simples aura tôt ou tard une opportunité d'aller vers d'autres opérations, de grandir quelque part chez nous. Et après, le nec plus ultra, c'est évidemment des évolutions de carrière. Le mot-clé, c'est la passion. Et la passion, on la retrouvera sur le produit. On doit avoir de la rigueur parce qu'on a au bout un produit de haute qualité.